Qu'est-ce qu'on est ? Faut pas s'y aux apparences. C'est pas un sans bonne actu. On se fait le tour de magie qu'on aime bien. Allez, on y va. On se retrouve à bord de... du nouveau Renault Austral, figure-toi. Et en plus, Alpine Spirit. Ah, ils sont pas moqués de nous, on a la meilleure des versions. Hein. Ouais. À Madrid, c'est pas mal. Hein. On regarde ça. Hein. Hop, regardez ça, les amis. L'Austral, on l'a pris en bleu. On se dit quand même... T'aimes bien le nom ? Moi, le nom, il me fait voyager. Ça me fait un peu road trip. Ça te donne un peu... C'est un appel au voyage, je trouve. Et exactement. C'est Austral, un appel au road trip. Ouais, c'est les terres australes. T'as l'impression qu'à travers le pare-brise, on voit presque les pôles, que Jean-Louis Etienne va nous rejoindre. Et c'est la Terra Deli, c'est le voyage. C'est un nom génial. Tu parles bien. Et ça fait du bien parce que un SUV mid-size Renault était plutôt très attendu sur un marché très compétitif. Jusqu'à présent, il y avait le Kadjar, ouais. il y avait le Captur, mais un cran en dessous, mais très jolie aventure. C'était un best-seller d'ailleurs, le Captur, puis il mène une très jolie carrière. Mais c'est vrai que... sur ce terrain-là, qui est le terrain le plus compétitif. En fait, c'est un créneau des SUV mid-size qui est très disputé, où il y a beaucoup de choix, et qui est un créneau très regardé en termes de vente et qui fait rêver tout le monde, donc tout le monde essaie d'y être. Et là, il était un peu trusté, du moins en France, par le 3008. Donc, est-ce que ce nouvel Austral va venir chasser dans les terres du 3008 et prendre la place du, entre guillemets, du roi du créneau, qui est le 3008 aujourd'hui en France? C'est ce qu'on va voir. Petite fiche technique comme on a l'habitude. Ouais, t'aimes bien, vas-y, ouais. Voilà, elle va être assez rapide. Un jour, on aura peut-être un génius qui viendra nous faire une petite fiche technique. Ça serait rigolo. Ce serait top. Et puis moi, ça me ferait moins bosser. Mais c'est toi le professeur, normalement. Vas-y. Il n'y a qu'un seul moteur. Donc là, on ne va pas débattre 50 000 ans. Il y a un moteur de 100 chevaux full hybride. Il y a 5 finitions. Donc il y a techno, il y a techno finition alpine, il y a iconique, etc. Donc grosso modo, ça commence à 33 400 euros et ça finit à 44 900 euros. Le modèle qu'on a. Typique, c'est... le prix de marché, enfin on ne pouvait pas être mieux positionné. Exactement. Et là, nous, on a la plus belle finition en finition alpine iconique. Ouais. Le pied total. Exactement. Ce que je te propose. C'est qu'on fait trois petits points habituels. Ouais, et premières impressions quand même. On commence toujours comme ça, moi j'aime bien. J'adore en fait la présence, pleine face, avec les feux, tu sais, qui rappellent la Mégane. La Mégane qui est pour nous un game changer total. On l'a complètement adoubé. En fait, cocorico, je trouve que le Renault revient sur le devant de la scène avec la Mégane. La Mégane qu'on a tournée, vous pouvez la retrouver, on vous la mettra probablement en description. Et en fait... pour moi, ce véhicule reprend toutes les réussites de la Mégane et se les approprie pour dire au revoir au Kadjar et bienvenue à l'Austral. Et ça, je trouve ça assez réussi. Alors, on éclipse peut-être un peu trop vite. Il y a l'Arcana, sinon, qui était là, qui était une sorte de SUV coupé aussi, qui a fait, j'allais dire... le pauvre. Ouais, le pauvre, on va trop vite sur l'Arcana, mais qui s'est très bien vendu. Ouais, tout à fait. Hein, qui est là et tout ça. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont une ambition un peu plus élevée. Ah ben, énorme. C'est que là, j'ai l'impression qu'ils veulent aller, chasser. Ah, ils ont mis les pieds dans Ils veulent dire, on va être, nous aussi, on va être le meilleur. Allez, les trois petits points qu'on aime bien, à chaque fois sur l'extérieur. Puis après, on va conduire, évidemment. Vas-y. Je me lance ? Ouais, vas-y. Mes deux petits points, pourquoi je me lance, c'est qu'en plus, ils sont devant. Mes deux premiers petits points, c'est j'aime bien cette calandre qui est repris un peu du goût de la Mégane, et je pense qu'on la doit un peu à Gilles Vidal. Et en fait, je trouve que c'est un côté racé, un côté sportif et un côté agressif qu'il avait réussi à mettre chez Peugeot et qui est en train de s'installer gentiment chez Renault. Ouais, c'est vrai. Et moi, tu sais, ces espèces de petites facettes et tout. Ouais, moi j'appelle ça des diamants à chaque fois sur toutes les marques, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais c'est chouette. Moi, t'as raison. Et mon deuxième point, c'est ce capot énervé. Ah ouais, j'ai pas vu. Et t'as vu, il est, tu vois, il n'y a pas une courbure. Tu en as quatre en tout, parce que elles sont subtiles. Une là. Et ça fonctionne, je trouve, assez bien. Ça lui donne un côté un peu énervé. Et pour mon troisième petit point, je vais t'emmener à l'arrière si tu veux bien. C'est la signature lumineuse. Je trouve, ce sera mon dernier petit point, que... c'est marrant le petit bruit. Les feux sont vraiment bien faits. C'est hyper beau, t'as un relief, t'as l'impression que c'est en profondeur. Exactement. Et même là, regarde, ces quatre petites LED, je ne sais pas comment on peut les appeler. C'est ultra précis. Je trouve ça vraiment réussi. Et en fait, ce feu qui part de là pour aller quasiment jusque là, c'est original. C'est vachement
vachement précieux. Et je trouve ça très bien. Et comme d'habitude, tu sais que j'en classe toujours un demi en plus pour la route. Un quatrième, un cinquième, un sixième. Eh bien, je trouve que ce bouclier qui est prédominant, qui est gros, presque grossier, qui vient à l'arrière, bah, à nouveau, ça renforce la posture sportive du véhicule. Et il y a une vraie présence. Ouais. Et c'est gonflé parce qu'il est entièrement laqué tout noir. Ouais, je suis d'accord. C'est vachement bien. C'est, hey, trois petits points. C'est drôle qu'on commence par l'arrière. Ouais. Parce que je vais commencer avec le E d'Austral pour indiquer qu'il est évidemment hybride. Oui, exactement. Tu vois, et d'ailleurs, tu vois, quand tu es anglophone, j'imagine que les gens doivent lire Australie. Ouais. Tu vois? Et quand tu es italien, tu dois le dire Australie. Australie. Quand tu es italien, toi. Non, mais c'est marrant comme tout. Je trouve ça super marrant, en fait, que le E se détache et le bleu sur bleu. Enfin, voilà, c'est des tout petits détails, mais ça me plaît beaucoup. Le truc que j'aime bien aussi, quand on regarde, il y a un côté un peu Range Rover d'extérieur, tu sais, avec le biton, le bleu, la laque, effectivement. C'est avec vrai les que ça fait penser au Range Rover. Tu as un côté Range Rover, et je me dis, mais on parle quand même d'un constructeur généraliste. Qu'on attendait il n'y a pas longtemps. Hein, mais ouais. Tu trouves pas? Il y a un côté Range Sport. J'avais pas du tout pensé du tout, et maintenant que tu le dis, c'est vrai. Vois, bon, bah tant mieux, comme ça, je suis pas le seul à me raconter des histoires et à me faire mon petit cinoche tranquillou. Non, pas du tout. Hein. et puis, moi, je les appellerai comme ça tout le temps. Il y a les lames de Luca. On va encore prendre cher dans les commentaires à cause de toi. Vous savez, ces fameuses lames qui apparaissent ici, reprises et inspirées évidemment de la Formule 1. Pourquoi je dis on va prendre cher? Parce qu'il y avait eu débat dans les commentaires qu'on avait fait la méganitech en disant mais non, c'est pas la Luca, mais non. En fait, Luca sur la méganitech. Luca Di Meo, qui est le PDG de Renault. Exactement. En fait, lorsqu'il a vu les projets de la mégane, aurait dit, maintenant je vais être le plus prudent possible, il faut les dorer pour qu'elles ressortent et qu'on puisse les distinguer. Et là, elles sont évidemment grises, mais sur la mégane, ça lui donne un look pas possible. Ça faisait débat. Il y en a eu beaucoup dans les commentaires qui n'aimaient pas. Dans les chiffres de vente, la version iconique avec ses lames se vend très bien, donc ça a l'air de plaire. Mais dans les commentaires, c'était pas non plus unanime. Quand tu les vois, t'as envie de les avoir. Moi, j'aimais bien, mais j'étais pas non plus red dingue. Toi, tu aimais beaucoup. Oh, moi, j'aimais beaucoup. Et puis voilà, extérieurement, bah, elle a une sacrée allure, cette voiture. Bon, hé, on va conduire. Allez, on y va. Elle donne envie de conduire. Tu vois, elle a de l'allure, c'est une voiture. Tu vois la clé? Ouais, ouais. Regarde la clé. Je suis pas si fan que ça de la clé. Tu l'as filmée? Ouais, je l'ai filmée. Alors, tu sais ce qu'elle me rappelle? C'est marrant. La Laguna? Ouais, la Laguna, et surtout, moi, j'avais une Clio dans les années 2000, et il y avait ce format carte de crédit, et je trouvais ça génial. Bah, c'est marrant, et comme quoi, les goûts, les couleurs. Tu vois, toi, t'aimes bien, moi, je suis mouillé, moi, je suis mitigé. Ça a 20 ans, ce truc-là. Ah ouais. Et c'est canon, en fait. Je trouve ça très contemporain. Ah non, moi, et le logo Renault, ça... Ah ouais. Ça, c'est cette partie-là, je la trouve jolie, mais cette partie-là, je la trouve un peu vieillotte. Ça a 20 ans. Mais je trouve que ça n'a pas vieilli, moi. Moi, je ne sais pas, peut-être que tu... Les goûts, les couleurs, il en faut pas tourner. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça. C'est bien qu'on soit deux, parce qu'on a deux avis différents. Ouais, allez hop, en route. J'ai le sourire. Je la trouve tout de suite, immédiatement stable. C'est un châssis impeccable. Il y a peu de roulis. La direction est précise. Il y a un virage qui apparaît. Tu tournes le volant. Hop. Et je te le disais, l'Austral, moi, je vois déjà l'épaule qui apparaissent. Tout marche bien. Tu as envie de rouler longtemps et loin. Et on n'attend pas ça d'une voiture qui est au fond une familiale. Moi, le châssis m'a impressionné. Ah, mais il est impressionnant. Ça tangue pas du tout. Toi, tu as eu des mots en plus, t'as des attentes de sportif, au moins les voitures sportives. Et tu m'as dit, mais attends, c'est presque... Ah, mieux, j'exagère, on va dire que je suis marseillais. Mais on est pas loin d'un Macan. C'est d'un très bon niveau. Oui, le châssis est réellement une bonne surprise. Ça, par contre, c'est indéniable. Le châssis, je mets la note avec toi, plaisir de conduire. Regarde, on va faire une Jean Pagésie. Je serais peut-être un peu en dessous. C'est nickel. Oui, ça faire une champagne. Jean, t'embrasse. Les pneus ont un peu crissé quand même. Hein. Mais elles ne bougent pas. Ouais, c'est vrai. Et alors, ce dynamisme ne se fait pas du tout au détriment du confort. Et le confort même sonore. On entend peu de choses. Oui. Tu vois, certains vont m'engueuler en me disant « Mais ça y est, qu'on dit déjà d'une main. » Voire en lâchant complètement le volant, ce que je pourrais faire parce qu'elle a en plus...
plus d'une trentaine d'aides et d'assistances à la conduite et de vraies belles assistances à la conduite. Hein. Elle est très au niveau de ce qui se fait de mieux dans le marché sur ces points-là. Ah, mais c'est un petit délice, hein, cette voiture. La direction, qu'est-ce que tu en penses? La direction, elle est nickel. Mais vraiment nickel. Une bonne direction. Pas trop chewing-gum? Pas trop chewing-gum. Ouais. Alors, certains vont dire, ouais, c'est un peu... Moi, j'aime bien quand c'est très léger au volant. Ouais. J'adore ça. Ce qui est le cas pour celle-là. Ouais. Et oui, mais tu lui demandes... Mais c'est pas trop chewing-gum. Non. Je te pose exprès les questions pièges, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu lui demandes un, elle te donne un. Tu lui demandes deux, elle te demande deux. Tu sais, les mauvaises directions, c'est quand tu demandes un, qu'elle donne 1,5 ou 0,80. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et qui t'oblige à chaque fois à recorriger pour essayer d'obtenir ce que tu veux obtenir et que tu n'obtiendras, pardon, jamais. Là, il y a la bonne consistance. Et alors, ce châssis, moi, j'adore parce qu'il est incroyablement stable. Le travail des suspensions, lui aussi, est confortable. C'est-à-dire qu'il est suffisamment ferme. Il y a un côté presque allemand. Ce qui est marrant, c'est qu'il est un peu ferme, mais il n'est pas trop ferme. Du coup, ça ne tangue pas. Et le châssis est vraiment… On n'attendait pas Renault à ce niveau de châssis. Moi, franchement, je me demande même si ce n'est pas un des meilleurs châssis que j'ai pu… rouler depuis ce début d'année. Puis alors l'accélération, tu vois, les 200 chevaux, bon bah c'est pas un foudreux de guerre, c'est une familiale, mais ils sont tous là. Ouais. Le freinage. Et le freinage, moi je le trouve, je vais juste freiner un tout petit peu fort, il y a des gens un peu derrière nous, donc on fera attention, mais tu vois le freinage, tu le doses hyper bien, il y a le mordant qu'il faut. Hein? Je trouve franchement c'est... Ouais, on en fait pas des... En fait, on a l'impression un peu d'en faire des caisses, mais c'est vrai que tout est là. Et elle va rassurer tout le monde. Elle va rassurer celui qui aime l'esprit sportif. Elle va rassurer, voire se faire oublier de celui qui s'en fout complètement, mais se dira, c'est quand même une sacrée bonne bagnole. Moi juste d'un côté motorisation, honnêtement, l'aurais eu. Tu m'enlèves 20 chevaux, par contre, je trouve que c'est pas assez. Oui, toi, t'aimes bien avoir un peu d'élan. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé avoir un 220. Tu vois, peut-être 20 chevaux de plus. Je trouve que ça m'aurait donné un peu plus de motorisation, j'aurais été preneur de 20 chevaux de plus. Mais honnêtement, pour la cible, qui est la cible de ce véhicule, qui est un véhicule familial, regarde, il faut avouer que ça fait le… Elle enchaîne les grandes courbes hyper bien. Là, pour tout vous dire, je suis un petit peu vite, hein. Je roule un peu plus fort que d'habitude. T'es hyper bien. Et d'ailleurs, vous ne sentez pas du tout que non. C'est… Avec toi, on a toujours peur, mais là, ça va. Bah là, ça va. J'ai un peu chargé en médicaments. Je plaisante, mais Cédric, sous ses airs, un vrai coup de volant bien supérieur au mien en plus. Il faut qu'on parle un peu de la consommation parce qu'on n'en parle jamais. C'est pas le truc qui nous intéresse le plus, mais ça fait partie d'un essai. Et c'est une hybride. On a roulé quand même depuis… on a peut-être bien fait 100 bornes quand même, hein. Ouais. À peu près. On était parti, on avait 650 et on a… un peu régénéré tout le temps, on a encore 610 km. Ouais, tout à fait. Pourquoi? Et encore parce que tu viens d'envoyer un petit peu là. Ouais, et on était à 630 avant que tu prennes… Exactement. Et pourtant, les kilomètres ont défilé. Ouais. C'est le bonheur en fait des hybrides. Alors, ce n'est pas une hybride rechargeable, ce n'est pas une PHEV, c'est une hybride à la mode Toyota Prius. Hein non, mais rendons à César ce qu'il y a à César. Voilà. Et c'est pas mal du tout parce que Toyota, d'ailleurs, ils ont un mot qui est assez rigolo. Ils disent que ce sont des hybrides auto-rechargeables pour valoriser le truc. Mais c'est pas con du tout. C'est vrai. Et résultat, ben, quand tu as une conduite quotidienne classique, c'est très bien. 50% du temps, tu es en électrique. Nous, on a envoyé un petit peu sur la route. Enfin, envoyé sans envoyer non plus énormément. Mais on était plutôt à 7 litres au 100. C'est ça. Ce qui est… En fait, ce qui fait qu'elle a une bonne consommation, c'est qu'elle est légère. Elle fait 1,4 tonne à 1,5 tonne selon la finition. Et pour rendre à César ce qui est César, il y a Koemé qui est du même voyage que nous de Planète GT qu'on embrasse et aller découvrir sa chaîne parce qu'elle est très bien. Planète GT. Bah, lui qui conduisait un petit peu ce matin, qui arrivait bien avant nous parce qu'il ne venait pas du même point, il a conduit quelques heures avant nous et lui disait qu'il était à 5,3 litres. Ouais. Ce qui est tout à fait, je trouve, raisonnable. Pour ce type de véhicule. Et il a fait, lui, de la longue route. Il a fait justement la 4 voies, de l'autoroute, et c'est tout à fait agréable. Pour vous dire qu'on a fait, on l'a prise avec 90 km. On roule depuis 90 km. Ouais. C'est affiché ici. Et on l'a prise, on avait 650 km d'autonomie. Tout à fait. Et on vient de passer 600, sachant qu'on a fait quelques petites accélérations pour les images. Oui, je pense que là, quand on va continuer, elle va repasser à 620 si on reste calme. Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi travaillé et abouti. Mètres, prendre E5, et à Burgos. Et vachement sympa en fait. Avant de démarrer, il y a un truc qu'on voulait vous montre, montrer. Ouais, montre, parce c'est génial. Parce que vous trouvez ça
sans faire injure à Renault, on est dans une Renault, les Français sur l'infotainment, c'était pas forcément les champions du monde. On va pas. Ouais. On est champion du monde au foot, on n'est pas champion du monde en infotainment. Regardez-moi ça. Je tourne, ça répond au doigt et à l'œil. C'est mieux que dans T'as le T'as vu comme c'est fluide c'est... Est-ce qu'on en a testé un plus fluide? Je crois pas. Moi j'ai aussi rapide et tout. Regardez Regardez Allez, on y va. Ah non, mais c'est génial. Attends, on peut le mettre comme ça pour démarrage. On va Allez. Devoir sortir. Il y a les roues qui se braquent et tout. Alors, on n'en a pas parlé, mais toi, tu peux en dire quelques mots. Tu vas vouloir me faire parler du Ford Control? Exactement. Alors déjà, moi, on commence le début par le début. Vas-y, merci. Écoute, je dis plus rien. Merci à Renault. Ils ont déjà instauré ça avec la Mégane E-Tech. L'intérieur, on veut pas trop en faire, mais on a envie de dire que on est dans du premium. On fera nos trois points de toute façon en conclusion. Mais l'intérieur est vraiment d'un niveau très élevé. Et merci Renault, parce que ça, on n'était pas habitué à ça chez les Français. Peugeot avait ouvert le bal à augmenter le standard. Et là, Renault est en train de suivre d'un bon niveau. Le châssis, je vais pas en faire des tonnes. Je suis subjugué par le châssis et je suis subjugué en partant du principe que je m'attendais à un bon châssis, mais ce qui n'était pas le cas. Donc je suis à la fois surpris, mais même en passant la surprise, c'est un très bon châssis au-delà de la surprise. La voiture tanque pas, on est bien, il y a de l'attaque, la direction est bonne, le freinage est très bon. Tu as tout bien expliqué, je vais pas. On va pas s'épiloguer. Merci. Je vais pas en faire des tonnes. Mais je trouve que la voiture, elle n'est pas bien par rapport aux autres. Elle est vraiment d'un très bon niveau par rapport au reste du marché. Et c'est une agréable surprise. Moi, voilà, j'aurais aimé avoir peut-être 20 chevaux de plus en motorisation. Pour le moment, il n'y a qu'un moteur. Peut-être Mais ça, qu'il y en aura d'autres. C'est un super châssis quand tu veux oui. plus puissant. Et très honnêtement, oui. Et le châssis est vraiment pour moi bien au-dessus de ce qu'on a pu essayer. Les petits bruits, même pour une hybride, sont plutôt sympas. Oui. T'as pas le sentiment que ça mouline? Le Ford Control est génial. Donc le Ford Control, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent des 4 roues directrices. Honnêtement, c'est pas un gadget. C'est vraiment un plus. On le sent et ça rend la voiture vraiment plus précise. C'est vraiment agréable. Un autre point qui est une spécificité de ce véhicule, et t'en as pas parlé, c'est la boîte à crabeaux. Je suis pas le plus technicien de la technique, mais grosso modo, c'est censé avoir un passage de vitesse un peu plus souple et un peu plus agréable. Oui, le passage de vitesse est meilleur. Le petit défaut que ça a, c'est, je ne sais pas si tu as eu ce ressenti-là, au rétrogradage, il y a un petit truc bizarre. Ouais, parfois, ouais, tu as l'impression qu'elle se cherche un petit peu. Et c'est troublant parce que ce sont à des moments inattendus, qui ne sont pas les mêmes que parfois où tu décélères, hop, ça arrive. La fois prochaine, tu décélères, ça n'arrive pas. Et tu sais pas très bien, ça surgit parfois comme ça. Et honnêtement, c'est pas rédhibitoire. Je pense que tu t'y habitues. Mais c'est surprenant. Et c'est un petit. Est-ce que c'est un réglage? On a du mal à. Ça nous a surpris un peu tous les deux. C'est pas. C'est un petit défaut, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Exactement. C'est le mot, c'est pas rédhibitoire. Oui, clairement pas. Et je pense que. Allez, probablement 90% de ceux qui en prendront le volant. Le châssis. Ne le ressentiront pas. Le châssis. Hein, non. Ma bonne dame, pourtant moi je fais en général dans les essais j'en fais pas des caisses sur les châssis, mais là honnêtement c'est un SUV mid-size. Hein? Normalement le châssis on l'attend pas. Ben non. Oh, oui. Pour une familiale. Ouais, c'est très bien. C'est un truc qui doit. Je vais freiner un petit peu, excusez-moi. Franchement, l'attaque de pédale est bonne, c'est progressif. T'as ce que tu veux, ça freine bien. Non, elle est bien, hein. Bah pour moi, c'est le prolongement de la Mégane. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a repris tous les codes qui ont réussi sur la Mégane. La qualité des finitions qui est au-dessus de ce que Renault nous avait habitué à faire et qui est très bon, même au-delà de prendre le benchmark Renault. Le look qui est un peu plus sympa. La position de conduite, l'agrément de conduite qui est un peu plus sympa que ce qu'on avait eu l'habitude chez Renault auparavant. Est-ce que toi, elle te fait meilleure impression que la Mégane? La Mégane, La Mégane, c'est encore une fois, au risque de se répéter, un game changer. Ouais. Le truc, il est historique. Voilà, boum, elle est arrivée. Elle bouleverse le game. On est un peu moins surpris avec celle-là que la Mégane. La Mégane, ça nous avait
limite bouleversé, le mot est peut-être un peu dur, mais on c'est était... Ça. Mais l'Austral est d'un bon niveau. Il est d'un super niveau. On ne peut pas le nier, tu vois, quand certains disent « ouais, 3 minutes, 3 minutes ». 3 minutes évidemment, mais 3 minutes, ça y est, il commence à avoir son âge et c'est normal que les concurrents, les nouveaux venus bouleversent un peu. Et lui, c'est un vrai pavé dans la mare. Moi, il y avait un truc qui m'a un peu dérangé, c'est les... on vous les mettra en plan à l'image, c'est la qualité des poignées de porte. Je trouve que la voiture est d'un bon niveau et les poignées de porte, que ce soit la qualité perçue quand tu la prends en main et la qualité visuelle, je trouve ça un peu décevant sur le modèle, mais c'est encore une fois pas du tout rédhibitoire. Et à un moment donné, on est aussi là pour vous donner les bons comme les mauvais côtés. Comme les mauvais donc côtés, on vous le partage. Ouais. Très honnêtement, ça ne m'empêcherait pas le quart de seconde, du centième de seconde, du millième de seconde d'acheter le véhicule. Si le véhicule me plaisait, le véhicule me plaît. Et fasciné par le châssis, on a oublié une chose, c'est de dire que la position de conduite, elle est nickel. Oui, c'est vrai. Le réglage électrique, c'est le plus rapide de la Terre. Ouais, chez moi ça m'a pas ça m'a pas hallucinant. Ah moi je sais pas ça m'a pas bouleversé. Les ascenseurs rapides et les ascenseurs pas rapides. Ouais, ça m'a rien fait. Ah c'est génial. Franchement, moi j'ai adoré. OK. Ah non mais je suis complètement. Et puis comme sur la Mégane, le siège se met à ta donc là sur ce modèle là, on a les sièges massants. Donc il y a trois différents types de massage. Exactement. Et le siège, il t'accueille quand tu rentres dans le véhicule comme sur la Mégane à nouveau. Quand tu rentres, le siège se met en position selon ce que tu as enregistré. C'est agréable. Sur une Renault, c'est chouette. Et puis, c'est facile, tu vois, ils sont chauffants, si on veut, avec un accès très rapide. Ça, il est aussi simple d'utilisation que sur une Tesla. Ils en ont fait un merveilleux petit outil. Je vous ai fait démarrer de l'arrière, pourquoi ? On va donner nos trois petits points intérieurs et je suis très content de faire ces petits points intérieurs parce que j'adore l'intérieur de ce Renault Austral. Mais je nous ai fait démarrer de l'arrière parce qu'il faudrait qu'on parle des places arrière. En fait, si on fait nos journalistes comme cela, on a de la place, on est bien. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à en dire. T'es correctement installé, c'est une familiale, t'as de la place pour les jambes. L'inclinaison du dossier, tu sais, c'est très important. Parfois, t'en as qui sont très raides. Là, c'est juste exactement comme il faut. Et l'appui-tête est très sympa. Ouais, t'aimerais que dans certaines compagnies aériennes en économie, ce soit comme ça. Et il y a un truc aussi. Là, le siège, il est exactement réglé pour moi en mode chill. C'est-à-dire, genre, il est repoussé le plus loin possible. Ouais, genre même transat, avec le dossier qui est complètement allongé, presque pour dormir. Et je fais 1m80, je ne touche pas. Regardez, il me reste ça. C'est franchement sympa. Mais regardez, moi je suis plutôt en position normale. Je fais 1m78 et j'ai de la place. J'ouvre le bal et j'ouvre le bal avec bonheur. Ouais. Parce que, comme la Mégane, la qualité de finition, ça va être mon premier point. La qualité de finition est vraiment très bonne. C'est-à-dire que j'ose pas tout à fait l'assumer, mais j'ai envie de parler de premium quand je parle de la finition intérieure de ce véhicule. Bah, faut le dire. Hein. Ouais, mais t'es toujours... Comme Renault nous avait pas habitué à ça, je sais pas. En tous les cas, on est au niveau du premium. On est très bien installé. Tous les boutons sont de qualité. Les petits boutons là, j'aime un peu moins, mais honnêtement, tout est très bien. Et ça va m'amener à mon deuxième point, qui est toujours dans la qualité de finition. Regarde-moi ça en Alcantara, comme c'est joli cette pièce-là. Ça, c'est joli. Ah, oh, il me l'a fait à chaque fois. Et là, honnêtement, je trouve que c'est d'une qualité très bonne. Et puis c'est vraiment joliment moussé, tu vois, c'est beau. C'est tout de même pas moussé, c'est tout ce qui est à hauteur de taille, c'est pas moussé, ouais, en dessous de la hauteur de taille, mais c'est pas grave. Le marché fait la même chose. Tout à fait. Et j'aimerais en fait amener à mon troisième point, qui sera mon dernier point. Les petits bruits aussi, la musicalité des petits bruits, c'est génial. C'est ça. C'est ça bien. Ne sert absolument à rien. Je ne sais pas si on est nombreux à avoir cette habitude-là, mais comme on a conduit des manuels, parce qu'à l'époque, les automatiques n'étaient pas si répandues, on avait l'habitude de conduire comme ça, et on a toujours le réflexe de poser notre main quelque part. Mais avec les nouveaux, il n'y a plus rien pour poser sa main. C'est vrai, c'est vrai. Et là, tu peux poser ta main, tu cruises, et t'es bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux le mettre où tu veux, comme tu veux. On a l'impression que tu remets les gaz. Ouais, non, t'as l'impression que l'avion a décollé. Les gaz dans un toit qui aime bien les avions. Et bien ça, c'est mon troisième point, et je trouve que c'est... Honnêtement, c'est une originalité que personne n'a. Ça ne doit pas coûter grand-chose à développer. Et je trouve que ça fait le taf très bien. Je te laisse ces trois points. Rapidement, le volant, un bel objet, formidable. Comme sur la Mégane, il fallait absolument le reprendre.
rien à dire. C'est un bel objet à lui. J'avais même pas fait gaffe à l'Alcantara. Oui, et en plus, elle a l'Alcantara. T'as peur GTS qui est là. Ici, intégration Harman Kardon. C'est magnifique. Regardez, tout ça, c'est super bien intégré. Cette pièce-là aussi est très belle. La poignée de porte en noir, elle est pas mal. La poignée de porte en noir. On avait déjà trouvé bien sur la Mégane. Ce qui est plutôt rare, la quai noire, ça fait carrément le taf. Et puis alors, ça aussi, c'est génial. C'est chiné. Moi, je l'ai rarement vu, ce gris chiné. Il y a un côté un peu tweed de costard. Ouais, c'est joli. Super joli. Ouais, c'est vrai, et alors, c'est cette pièce-là, cette intégration, toute la quai noire, avec évidemment le porte-lunettes, un petit truc pour surveiller les enfants. Tu vois, c'est Kiara, pas mal, tu vois, ça, c'est... T'es fort, je l'avais pas vu. Et ça. Les petits boutons, les petits machins. Là, c'est évidemment le rideau. S'il fait trop chaud, hop, tu mets ton rideau. Ouais. C'est super classe. C'est quasiment l'environnement et la déco d'un ranch. L'Alpine Spirit, moi, je trouve ça mignon comme tout, en fait. Voilà, c'est une belle signature. Je suis d'accord. Il y a un débat. Bon, il faudrait qu'elle ait 300 chevaux, en c'est fait, vrai. En fait, le débat, c'est Alpine Spirit, mais c'est juste le pack. Il n'y a pas le moteur qui va avec. Ouais, mais en même temps, les packs M, les packs AMG, c'est un peu la même chose. Donc, ils font ni plus ni moins que tout le monde fait. Pour moi, ça me choque pas. Et le logo Renault, il lui va bien aussi. Oui, hein. En noir, c'est très joli. Ah, c'est top. Hein. T'as vu en plus avec les feux. Question habituelle. Tu valides pas? Moi, je valide à mort. Il n'y a même pas... Non, mais oui. Donc, explique pourquoi. Moi, ça y est, elle a tous les marqueurs qui font d'elle une voiture contemporaine. Ouais. Elle distance ses concurrentes, notamment sur tout l'infotainment. L'extérieur, chacun se fera son truc, mais moi, j'aime bien quand c'est discret et c'est dans le coup. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'outrance. Elle n'est pas surdessinée. Elle peut traverser les époques. Elle est terriblement Renault. C'est parfait. Vas-y. Maintenant qu'on a beaucoup plus roulé avec, je te rejoins sur le plaisir de conduite. Je garde mon point où j'aurais aimé un moteur un peu plus pushy. Mais le plaisir de conduite est vraiment bon. Pour moi, c'est validé et c'est plus que validé. J'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé la Mégane E-Tech. J'aime beaucoup les nouvelles Renault. Et pour résumer, châssis, châssis, châssis. Direction, direction, direction. Le moteur, j'aurais aimé plus, mais c'est pas si mal, donc c'est validé. Et elle est suffisamment légère. Oui. Elle n'est pas pesante au volant. Tout tu à vois. Fait. Franchement, super chouette. On n'a peut-être pas assez insisté hier. On a une finition esprit alpine. Une finition. C'est vrai. Dans l'état d'esprit qui est celui en fait du pack M, par exemple chez BMW ou du pack AMG. C'est uniquement de l'esthétisme, de la déco. Mais qui sait si un jour, ils franchiront pas le pas de quelque chose de plus exceptionnel. Voilà, on n'a rien dit. Ça se trouve, esprit alpine sera un jour ce qui est équivalent à ARS chez Audi. Tu vois, c'est avec marrant, un vrai moteur. Ouais. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que pendant qu'on était tranquillement en train de parler gentiment là, hop, ben voilà, c'est génial. Tu vois, voilà, elle fait exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Explique-nous. J'ai mis, en fait, les assistances à la conduite du même type qu'une Volvo XC60 que j'aime beaucoup. Ok. Et qui est en mesure, en réalité, tu lui donnes une vitesse et de conduire pour toi. C'est du niveau 2. Le volant tourne tout seul. Et c'est pas le petit volant des aveugles, tu sais, genre je te remets dans la voie. On lâche le volant ? C'est, ben, tu vois là, vous allez voir sur le virage, hop. C'est je tourne pour toi, je mets le bon angle, j'ai pas 15 000 corrections possibles. Et ça marche. Alors à un moment, elle va me demander de remettre les mains. Tu vois. Et c'est exceptionnel. À ce niveau, c'est extraordinaire. Tu vois, tu sais exactement qu'on est effectivement sous assistance. Il y a le maintien de fil, le graphisme est canon, la vitesse que j'ai demandé, on est à 60, elle lit aussi les panneaux. Tout est nickel. Absolument nickel. Et c'était hors de question de passer à côté de ça. Elle a tout ce qui fait le piment et la techno de la Mégane E-Tech qui a complètement bouleversé le marché. C'est un vrai pavé dans la mare, hein, cette bagnole. Hein. C'est dingue. Hein. Les amis. Ouais. Ah oui, ça serait une bonne idée. Hein. Et les amis, on n'a pas fait le. On n'est pas des bons marketeux. La petite cloche, la bise à maman, le petit commentaire, rejoignez-nous pour le prix d'un café, l'abonnement, tout ce qui va bien. On vous embrasse. Et merci. Vaches, là-bas. On va aller le voir. Mais c'est marrant, t'as vu tous les paysages qu'on a fait. On est à Madrid, on a eu des paysages désertiques, des paysages, on se croirait dans les Rocheuses. C'est génial. Ah oui, non, mais là, il y a un côté très canadien. On se croirait presque dans les parcs nationaux. On est à Yellowstone. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-haut. Tu vois, on la voit. Regarde. On revient, là, on monte. Je t'en rejoins. Je t'attends là.